On a le goût du risque en fait. On a décidé de présenter ce disque dans un cadre un peu différent de d'habitude, directement sur la mer, au milieu d'un océan. Et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça, hein ? Oui. On aime l'imprévu. C'est un choix assez intéressant et vraiment superbe. C'est un tapis rouge. Tapis rouge pour présenter un album dans de très bonnes conditions, des conditions conviviales où on peut échanger vraiment. C'est vraiment super. Un concert qui est autour d'un tout nouvel album qui sort aujourd'hui et qui s'appelle Harmonie. Et dans cet album, il y a des chansons qu'on avait écrites avec Dan il y a un petit peu longtemps, et puis il y a des chansons aussi complètement nouvelles. La Brittany Ferry n'avait entendu aucune chanson encore parce que le disque n'était pas fini au moment où on s'est rencontrés. Et on travaille avec Funambule Productions, Catherine Ginoux, qui travaille avec Benjamin Huel, qui est passionné de mer, de bateau, et qui est passionné par la Brittany Ferry, et qui a proposé cette idée, qui nous l'a proposée. Et c'est vrai que ça a sonné comme une évidence. On s'est dit, Dan a dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant, même pour des projets précédents? Bon, moi, je l'ai souvent cité en exemple, une compagnie bretonne, qui est vraiment une belle fierté pour les Bretons, les paysans qui ont fait ça, un chapeau. Chapeau. Belle histoire. Belle histoire. Ceux qu'on croit et ceux qu'on souhaite, entre le yin et le yang, ce qui tient et ce qui tangue, entre les victoires et les défaites, entre la terre et le ciel, l'éphémère et l'éternel, entre la part d'ombre et la l'invisible et la matière, entre tous ces mouvements contraires. Ça a été une opportunité plutôt qu'autre chose. On a été rapprochés par la société Funambule Productions qui s'occupe du lancement du CD de Harmonie de Clarisse et Dan. Et quand on a reçu cette proposition de lancement de l'album à bord du Pont Aven, on a trouvé ça particulièrement intéressant et on s'est dit qu'il y avait vraiment un lien entre ce que faisaient Dan et Clarisse, la Bretagne, des valeurs qui nous ressemblent. Et on a dit ok. Et voilà, c'est comme ça qu'est né ce projet. Car malgré les détours, où l'on se perd tant de fois, on tourne un jour sur ses premiers pas. Alors, Funambule Productions est une petite société de production, comme son nom l'indique, qui est basée à Fréhel, dans les Côtes d'Armor, et qui existe depuis le 1er avril, il y a 10 ans, donc le 1er avril 2007. Donc c'est une petite société qui produit différents spectacles, des spectacles pour enfants, des concerts, des artistes de toute la France, et qui tournent sur toute la France. Et puis là, donc, nous sommes sur le Pont Aven parce que j'ai eu la grande chance de participer au projet de lancement du CD de Clarisse et Dan en leur proposant d'embarquer sur le Pont Aven pour un week-end
de 2 jours et puis 2 concerts privés à bord du Pont-Aven. Malgré tout.